Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation. Cette veste, eh bien, vous l'avez déjà découverte lors de différents essais moto cette saison. Il s'agit une fois de plus d'Alpinsar, la marque, plus besoin de vous la présenter. La veste, par contre, il s'agit de la Hyper, enfin, ça dépend un petit peu de comment vous prononcez les mots anglais. Une veste qui se veut quasiment toute saison. Quasiment, vous allez vite comprendre pourquoi quand je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous on l'a choisi noir et jaune fluo. Je vous rassure, il y a d'autres coloris, toutes noires ou noires et kaki, qui sont nettement, nettement beaucoup plus sobres. Je vous montre quand même l'arrière de la veste avant de vous en parler, bien entendu, un petit peu plus en détail. Alors, c'est une veste textile, forcément, qui est prévue pour rouler, comme on vous le disait, quasiment toute l'année. Alors pour l'hiver, eh bien vous avez carrément un gilet complet, puisque vous avez également les manches. Donc ça, c'est pour le côté thermique. Alors, je vous assure, ça tient très très chaud. Même quand il commence à faire un petit peu plus chaud et que certains commencent seulement à ressortir les motos, franchement, vous pouvez déjà enlever le gilet thermique de ce côté-là. Ça se montre largement suffisant. Pour la veste elle-même, beaucoup de réglages. C'est une habitude chez Alpinsar, justement. Vous avez ici d'abord un premier velcro à la manche. Vous avez ensuite ici un velcro pour serrer les manches ou les desserrer. Vous avez bien entendu de chaque côté, ici aussi, de quoi serrer à la taille. Alors sur l'extérieur, pas grand-chose de plus. Vous avez deux poches de chaque côté, zippées forcément. Vous aurez peut-être aussi noté ici, il y a une coque vraiment à l'extérieur. Donc vous avez les protections à l'intérieur, tout comme au coude et au dos, mais vous avez encore en plus ici un renfort sur les épaules. Et c'est vrai que on se sent vraiment en sécurité dans cette veste. Évidemment, on n'est pas non plus sur un cuir, mais pour une veste textile, franchement, elle apporte quand même un bon sentiment de sécurité. Côté visibilité, eh bien, vous avez juste ici les bandes sur l'avant, au-dessus, sur les manches, et dans le dos, ça, vous les avez déjà vues. À l'intérieur, on retrouve une poche portefeuille ou téléphone avec une fermeture étanche. D'ailleurs, il est marqué dessus qu'elle est étanche. Je vous rassure, de ce côté-là, on a essayé avec notre téléphone aussi. Il n'y a pas de souci. Bon, je vous rassure, le S8, il craint pas l'eau. Enfin, en théorie. On retrouve aussi de chaque côté, eh bien, deux poches simplement avec du velcro. Et pour l'intérieur, eh bien, c'est quasiment tout. Sauf que vous avez quand même un petit zip à l'arrière pour maintenir avec un pantalon. Voilà un petit peu le tour de cette veste Hyper de chez Alpinsar. Les protections, bien entendu, sont fournies avec la veste déjà placée, ça va de soi. Côté prix, eh bien, on est sur un tarif d'à peu près 240 euros pour cette veste. Eh bien, franchement, je trouve que ce n'est vraiment pas volé. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais le gars, il travaille souvent avec Alpinsar. C'est vrai. Mais comparez un petit peu, vous avez ici 240 euros pour une veste qu'on peut utiliser presque toute l'année. Tiens, presque, justement. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pouvez l'utiliser quand il commence à faire chaud. Vous avez des aérations ici à l'avant. Vous avez les mains dans le dos, mais si vous avez déjà eu porté ce genre de veste, vous savez vite aussi que ça reste, ma foi, assez limité. Alors, on sent bien l'air qui rentre à l'intérieur, mais il suffit par exemple d'avoir un sac à dos, ça va déjà vous boucher une grande partie des aérations. Et même sans sac à dos, les entrées d'air sont quand même assez restreintes de ce côté-là. Et oui, en plein été, il fera chaud, mais je vous rassure, chez Alpinsar, ils ont pensé à tout. Vous avez bien entendu d'autres vestes. Et pour tout le reste de l'année, on peut utiliser celle-ci en plus dans ce coloris jaune et noir. Autant vous dire qu'on se fait voir de loin. Et c'est aussi un argument très intéressant pour ceux qui roulent toute l'année. La visibilité, se faire voir en tout cas, c'est quelque chose d'important. Vous retrouverez l'article complet de cette Alpinsar Hyper sur notre site www.objectif-moto.com. À bientôt les amis!